Ah, carrément, ouais. de transformation de pare-choc phase 1 Peugeot 308 de à peu près 2008 à 2000, 2010 en version phase 2 qui là voilà adapté avec différentes pièces à changer, notamment l'armature là, tu vois là, bah, elle va être changée par ça. Ça c'est la base. En fait, tu vis le pare-choc. C'est pas du tout la même. Ça ressemble, mais il y a des petites modifications. Je peux le voir en bas. Comme ça. Ça va être réinstallé. Donc tu vois, il y a déjà des merdes, hein, des insectes, en roulant. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Il va venir en renfort. Il va venir en renfort. C'est comme ça, tu sais. Avec d'autres cerfs. Ah, pour rajouter plus de protection. Ok. Tout simplement. Donc c'était pas d'origine en fait, c'est toi qui l'avais mis. C'est moi qui l'ai rajouté. Ah ouais. Pense pas à tout, ils s'en branlent. Hein. Peut-être devant une voiture, c'est bon, elle roule. Ils sont censés la garder 20 ans, 30 ans. Hein. Ouais. Tu la changes tous les 5 ans, ils sont contents. Bon, après, il faut que ça dure quand même minimum, sinon les gens ils vont quand même gueuler. Ouais. Tu vois, j'enlève vraiment tout ça, c'est tout ce qui est câblage électrique plus. La glace. Mmh. Tu vois. Ça, c'est d'origine. Hein, c'est pas... Et tu tapes. C'est la méthode. La méthode. Ah, ça va. Ça fera le taf. Là, tu peux pas te planter sur un cliquier parce que c'est forcément dans le sens visser-dévisser. Mais c'est vrai que moi, c'est avec le tournevis, tu te dis, t'es à l'envers, et toujours dévisser, c'est vers la gauche. Ah bah oui. Sens anti-horaire. C'est contre-intuitif, comme on dit. C'est contre-intuitif. En fait, l'armature, c'est cette pièce de plastique. D'accord. Qui vient faire à la fois la pare-choc, bouclier plastique, et qui permet de. Visser les feux dessus, tu vois, t'as les trous dessus. D'accord. Et c'est pas le même sur la phase 2. Sinon, ce serait trop marrant. Hein, trop facile, quoi. Trop simple. Trop simple. Donc, une fois que t'as dévissé, c'est tenu que par le vis. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça va commencer. Là en fait je glisse pas en fond. Ça. Ouais. Alors là, il y a encore l'emballage. Enfin, ouais. Je vais le mettre. Et après, une fois que je l'aurai mis. Alors ça c'est le câble pour tirer le capot, pour ouvrir le capot. D'accord. Voilà. Une fois que tu as mis ça. Et tu vois, il vient. C'est vraiment prévu, regarde. Il vient vraiment, t'as un renfoncement ici. Là, t'as un petit plastique. C'est vraiment prévu. Pour le câble. L'usine, pour le câble, voilà. Donc lui, tac. C'est lui, c'est là. Ah. Tac, clac. Et là. Il n'y a plus qu'à. Là, t'enlèves.
arrêté, je te disais, c'est qu'il a cette petite pièce en métal en plus, vissée là, qui permet de mettre le tube pour remplir le lave-glace. Tu vas voir. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, on s'en fout. D'ailleurs, je vais l'enlever pour l'instant. Tu viens le mettre légèrement, voilà, pour sans forcer. Voilà. C'est lui qui est un peu pété. Je vais lui mettre du mastic. Voilà, là, il est en position. Et tu vois ici, tu as un trou là. Tu as un ergot là. Ah là, ça sort ça. Tu as compris? Mmh. Voilà, j'enlève le fil. Pas en glisser parce que c'est très compliqué. C'est quand même plus sympa. Hein.